Merhaba. Videomuz başlamak üzere. Sadece size altta bulunan katıl tuşunu kullanarak BSM TV'yi büyütmemize, daha büyük projeler üretebilmemize ve sürdürebilmemize katkı sağlayabileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Unutmayın, BSM TV sizin katkılarınız dışında herhangi bir fon ya da benzeri kaynaktan yararlanmamaktadır. Hepimiz için, hep birlikte. Осенние листья шумят и шумят в саду, знакомой тропою я рядом с тобой иду, и счастлив лишь тот, в ком сердце поет, кто рядом с любимым идет. Décembre 1973, à Rostov-sur-le-Don. À la découverte des soviétiques d'aujourd'hui, de leurs conditions de vie, de leurs aspirations, de leurs soucis, de leurs espoirs. Pendant 3 semaines, ils nous ont accueillis dans leur usine, dans leur foyer, dans leur bibliothèque, dans leur théâtre. Pourquoi Rostov plutôt que Moscou, Kiev ou Leningrad? Avec ses 845 000 habitants, cette ville du sud de la Russie est d'importance moyenne. Une ville ordinaire. Pas tout à fait pourtant. Une grande usine de machines agricoles emploie 22 000 ouvriers. Ils produisent 80% des moissonneuses batteuses de l'Union soviétique. Un des ateliers de l'usine Rosselmach, Selmach pour les Rostoviens, malgré ses dimensions imposantes, a un petit air vieillot. L'allure décontractée des ouvriers est loin d'évoquer la grande production moderne. C'est notre premier contact avec ce qu'on appelle une brigade, c'est-à-dire une équipe de travailleurs. Sievolotchichkin, 50 ans, marié, d'origine paysanne, deux filles mariées également. Vassili Tchernostan, 35 ans, origine paysanne, marié, une fille de 7 ans. Michel Cheiko, 33 ans, marié, originaire de Rostov, une fille de 7 ans. Nicolas Udovitchenko, 52 ans, marié, originaire de Rostov, un fils et deux filles.
Durée du travail, 41 heures par semaine. Dans quel atelier sommes-nous? Je ne comprends pas très bien ce qu'on y fait. C'est l'atelier de l'usine Rosselmash, où l'on fabrique des moissonneuses-batteuses. Nous nous occupons ici d'une caisse essentielle, la batteuse. Quand la batteuse est prête, nous l'envoyons sur la grande chaîne de montage. Ça paraît dur comme travail. Non. Non, mais physiquement. Non, physiquement ça va. Tous les travaux pénibles sont mécanisés. Vous sortez combien de moissonneuses-batteuses? Pour ce mois de décembre, 2400. Est-ce que les gens prennent part à l'élaboration des plans? Tout le monde y participe. De quelle manière? Une ou deux fois par mois, nous avons des réunions, des assemblées de travailleurs. En outre, chaque jour avant de commencer, nous nous réunissons 5 minutes pour discuter de la manière d'organiser notre travail. Qui décide les cadences? Et il y a un service spécialisé pour cela. Vous n'êtes pas fatigué à la fin de la journée? Un peu, mais pas trop. Et vous? Nous sommes jeunes. Pour l'instant, bon, on ne sent rien. Est-ce que des chronométreurs passent chez vous? Oui, il en vient. Et il arrive que les cadences soient accélérées après leur passage? Ça arrive. Et vous tombez toujours d'accord avec eux? Ça dépend. Des fois oui, des fois non. S'il n'y a pas de progrès technique, les cadences restent inchangées. Mais si on met au point un nouveau procédé qui permet d'élever la productivité, dans ce cas, on peut accepter l'augmentation des cadences. Quelle est votre profession? Nous sommes tous des ouvriers qualifiés, des ajusteurs mécaniciens. Mais lui, en plus, est conducteur d'engin. Combien gagnez-vous en moyenne? Entre 180 et 200 roubles par mois. Et vous? Nous faisons partie de la même équipe. On touche tous en moyenne de 170 à 200 roubles. Y en a-t-il parmi vous qui étudient après le travail? Moi, je vais au cours préparatoire. Comment? Ma fille est au cours préparatoire et moi, je suis le même programme. D'accord, mais à part ça, est-ce que vous étudiez? Non. Chacun de nous a des activités après le travail. Certains se reposent, d'autres regardent la télé, d'autres encore vont au théâtre ou font partie d'un groupe d'amateurs. Qui? Moi, je fais du théâtre. Nous avons présenté un spectacle récemment. Je tenais le rôle d'un directeur d'usine. Vous aimez lire? Oui, des journaux, des revues. Moi, la lecture, c'est une maladie. Quelle est votre lecture préférée? Je préfère les classiques russes et aussi les étrangers. Lesquels, par exemple? Bon, je n'ai pas de préférence particulière. J'aime les vers de Heine. Heine? Oui. Mais parmi les Français? Oh, parmi les écrivains français, chez les romantiques, c'est Victor Hugo que je préfère. J'ai lu beaucoup de ses œuvres. En prose ou en vers? En vers. Mais j'aime bien sa prose. Rares sont ceux qui ne connaissent pas Hugo chez nous.
pas. En outre, jeune comme vieux, ici, tout le monde lit Balzac. En quittant Selmach, nous avons eu envie de connaître la famille de Nicolas Udovitchenko. Il habite un quartier tranquille, à 15 minutes de l'usine, non loin du centre de la ville. Lyubov Udovitchenka, l'épouse de Nicolas, a 48 ans. Elle est employée à Rosselmach. Elle est grand-mère. Natacha, la fille aînée, a 23 ans. Mariée depuis 2 ans, elle est mère d'une petite fille, Aliona. Наташа, quel âge a votre fille? Elle aura 6 mois en janvier. Vous ne travaillez pas? J'ai pris un congé à mon compte jusqu'à ce qu'elle ait 1 an. Et comment ferez-vous ensuite? Elle ira à la crèche, celle de l'usine. Vous êtes inscrite sur une liste d'attente? De nos jours, il y a autant de places qu'on veut dans les crèches. On accepte les enfants au bout de 2 ou 3 mois. Chaque atelier a sa crèche et sa maternelle. Parce que la crèche dépend de l'usine. Pas obligatoirement. On peut placer ses enfants dans les crèches municipales ou dans celles construites par l'usine. Comme je travaille à l'usine, ce sera plus pratique. Alors vous pouvez vous présenter directement à la crèche, dire « j'ai un enfant, prenez-le ». Et c'est tout. Il faut que j'aille au comité d'entreprise, déposer une demande et on m'attribue une place. C'est tout? Combien paierez-vous à la crèche? Nous avons des tarifs pour la garde de l'enfant 24 heures sur 24 et d'autres à la journée seulement. On peut laisser l'enfant la nuit en cas de besoin, par exemple si on travaille dans la deuxième équipe qui finit tard ou si on doit s'absenter. Vous payez combien? De 15 à 16 roubles. Et vous la laisserez à la crèche la nuit? Si j'ai du mal à la reprendre le soir, elle y dormira, bien sûr. Ce sera plus commode pour moi. Le maire de la ville devait nous confirmer par la suite que le problème des crèches était résolu depuis peu à Rostov. Les parents exigent maintenant que la crèche soit à proximité de leur maison, plus belle, et avec un personnel plus nombreux et plus qualifié encore. De ce point de vue, Rostov n'est pas une ville plus privilégiée que d'autres en Union soviétique. Un effort énorme est déployé en faveur des enfants d'âge préscolaire.
L'État tient à ce que la mère soit libre de reprendre son activité professionnelle si elle le désire. À l'heure actuelle, on construit de plus en plus de combinats d'enfants, c'est-à-dire des ensembles crèches et maternelles, afin d'éviter la rupture provoquée par le passage de l'une à l'autre. Традиции с дождиком встретил меня Ленинград. Мокнут прохожие, мокнет милиция, мокнут которые лето подряд. Дождь по асфальту рекою струится, дождь на фонтанке и дождь на Неве. Вижу родные и мокрые лица, голубоглазые большин свет, голубоглазые в большин свет. 3 миллиона людей замечательных, 6 миллионов приветливых глаз, добрых, больших, озорных и мечтательных. Мне повезло, я живу среди вас. Дождь. Ира, la fille cadette, a 13 ans. Elle est en quatrième à l'école du quartier. Elle est membre de l'organisation des pionniers, comme la plupart des enfants de son âge. Y a-t-il des difficultés à s'approvisionner? À mon avis, non. Dans votre quartier non plus? Ni dans notre quartier, ni dans la ville. Comment vous expliquer? Dans un magasin, il y a la queue. Dans un autre, pour un même produit, il peut ne pas y en avoir. Est-ce que les prix ont augmenté dans la dernière période? En ce qui concerne les produits alimentaires, les prix n'ont pas augmenté depuis 20 ans, selon moi. Ce saucisson, par exemple, combien coûte-t-il cette année? Quel était son prix il y a 2 ans? Quand on l'a mis en vente, il y a quelques années, il coûtait 3,80 roubles le kilo. Aujourd'hui, son prix est resté le même. Sur quels articles y a-t-il augmentation de prix? Sur la vodka, les alcools, le cognac. Nous nous y sommes habitués. Et dans le fond, c'est bien ainsi. L'escalade des prix est un phénomène inconnu dans ce pays où l'inflation n'existe pas. Et nos hôtes ont souvent du mal à saisir le sens de nos questions. О, для такого второго, это не все, ты подаешь, подружка. Сейчас я получусь, возьму бутылочку. Нет, так. Тихо. Сколько вы платите за год? Quel est votre loyer mensuel? В месяц я плачу 15 рублей. Je paie 15 roubles, 98 копеек par mois. 16 roubles. Ça fait quel pourcentage par rapport à votre salaire? De 8 à 10%. 8-10%. Plus les charges. А сюда же входят и услуги, и вода, и освещение. Non, non, tout est compris. Les charges, l'eau et l'électricité. Et le loyer seul, s'élève à combien? Bien voilà. J'ai payé 16 roubles pour toutes les charges communales. L'éclairage, la surface habitable, l'eau. Le gaz, lui, on le paye à part. Je peux vous montrer? Где-то у меня здесь.
Вот у меня книжечка. Voilà le livret sur lequel on note mes versements. Да я уплатил. Вот, пожалуйста. Значит, там и электричество, и... Электричество, вода, отопление, площадь жилая, вот. Дальше все удобства, ну, санузел. А газ я отплачу отдельно. Combien payez-vous pour le gaz? Le gaz chez nous coûte 26 copecs par mètre cube. Pour deux mois, j'ai payé en tout 2 roubles 8 copecs. À eux deux, Lyubov et Nikola Udovitchenko gagnent dans les 300 roubles par mois. Les 15 roubles de loyer et de charges représentent 5% de leurs revenus mensuels. C'est à peu près la moyenne nationale. Les tarifs des loyers n'ont pas changé depuis 35 ans. À Rostov, comme dans toute l'Union soviétique, le logement reste encore un des gros problèmes, en dépit des efforts gigantesques consentis pour le résoudre. Nous étions à la mi-décembre, et déjà la folie des sapins s'emparait de la population. Noël a cédé la place au jour de l'an, l'une des fêtes préférées des soviétiques. De manière générale, toutes les occasions sont bonnes pour se réunir en famille ou entre amis. La porte est toujours ouverte. Il est déjà vieux, votre poste. Il marche depuis 10 ans, mais il est encore bon. Vous n'avez pas l'intention d'en acheter un autre? Oui, avec ma femme, on veut s'offrir la télé couleur. Dites-moi, est-ce que vous pouvez l'acheter à crédit? De manière générale, le crédit existe-t-il? Je pense qu'il y a maintenant partout le crédit. Vous pouvez acheter à crédit un téléviseur, des meubles. En URSS? Bien sûr. On peut obtenir facilement un crédit étalé sur 2 ans avec un remboursement par mensualité. Par exemple, si le téléviseur coûte 400 roubles, je dois d'abord verser un apport initial du quart de sa valeur et le reste en 24 mois. Et quel intérêt devez-vous payer? Comment, quel intérêt? Nous ne payons aucun intérêt. Un peu partout, on voit sur les murs des panneaux d'offres d'emploi. Lorsque nous demandons à nos interlocuteurs s'ils ont des inquiétudes pour leur travail ou s'ils craignent les licenciements, ils sont très étonnés. Une fois de plus, notre question est dénuée de sens pour eux. Le chômage n'existe plus en URSS depuis 1927. Et les lois sociales rendent obligatoire le reclassement préalable de tout travailleur libéré de son poste. C'est ce qui explique ce profond sentiment de sécurité rencontré chez tous les soviétiques. Un mot revient fréquemment dans les conversations, kulturno. Vivre kulturno est une exigence de plus en plus répandue. La satisfaction des besoins matériels doit s'accompagner des marques de la culture dans tous les domaines. Êtes-vous encore loin de la retraite? Ce n'est pas tellement loin. Je prendrai la retraite quand j'aurai 60 ans.
Et les femmes, à quel âge la prennent-elles? Les femmes, elles prennent la retraite à 55 ans. La retraite, vous pensez que je l'attends avec impatience, hein? Eh bien, au contraire. Je me sens bien dans la collectivité. Et il est plus facile de vivre avec les gens. Je n'ai pas envie d'être vieux. Bien sûr, nos retraités sont pourvus du nécessaire. L'État et le parti prennent soin d'eux. Savez-vous quel sera le montant de votre retraite? Oh, je ne me suis pas encore intéressé à cette question. En tout cas, si je quitte mon emploi avec mon salaire actuel, je toucherai dans les 110, 120 roubles. Pourrez-vous continuer de travailler après l'âge de la retraite? Je travaillerai sûrement un bout de temps. Mais dans ce cas, on ne vous paiera pas la retraite. Je sais pourquoi. On me paiera mon salaire en plus de la retraite intégrale. La retraite, plus mon salaire. Pour tous les soviétiques, la retraite, qui n'est pas source d'angoisse et d'inquiétude, se prend à 55 ans pour les femmes et à 60 ans pour les hommes. Mais pour les travaux pénibles, elle est abaissée à 55 ans pour les hommes et à 50 ans pour les femmes. Pour faciliter le maintien du retraité dans la vie professionnelle, la loi prévoit des services à temps partiel. Ainsi, le travailleur n'est pas rejeté de l'univers qui a été le sien pendant de nombreuses années. Cette confiance dans leur avenir, cette tranquillité, les soviétiques l'ont conquise durement. Il y a 27 ans, Nicolas Udovitchenko revenait de la guerre. Pour lui, comme pour tous ses compagnons d'armes, la vie recommençait. Après la fin de la guerre, je suis arrivé à Rostov. J'ai entamé des études, mais les temps étaient durs. Il fallait travailler et je me suis fait embaucher à l'usine Rosselmash. Elle avait été détruite pendant la guerre et il fallait la reconstruire entièrement. Vous avez fait toute la guerre ? Toute la guerre et même plus, jusqu'en 1947. J'ai fini la guerre en Allemagne, à Stettin. Je suis arrivé à Rostov, qui était complètement détruite. Quelques bâtiments avaient été épargnés, et même ceux-là portaient des traces de la guerre. Rostov a changé trois fois de main au cours de la dernière guerre. À sa libération, en 1943, les trois quarts des immeubles étaient partiellement ou totalement détruits. Il ne restait plus qu'un tiers de la population. Ainsi, Rostov a pris sa part des 20 millions de morts et des destructions gigantesques de la dernière guerre. Mais quelles statistiques donneront la mesure des souffrances et de la meurtrissure des êtres? Comme son camarade d'atelier, Sievolod Chichkin porte dans sa chair les marques de la guerre. Что пережили? Был трижды ранен.
пережил все невзбытия. Ce que nous avons subi, je ne souhaite à personne de le connaître. Que nul n'ait à supporter ce que nous avons souffert. J'ai été blessé 3 fois, j'ai survécu à toutes les misères. Oui, la guerre a fait beaucoup de mal. Vous savez, j'en ai encore l'âme en peine. J'ai remarqué que sur la première photo, vous portez beaucoup de décorations. Lesquelles ? Eh bien, j'ai 2 décorations de l'étoile rouge, 2 décorations de 2e et 3e catégorie de l'ordre de la gloire. Il vaudrait mieux qu'on ne soit pas obligé de les gagner, ces médailles. L'État m'a donné 12 distinctions. J'ai reçu 2 remerciements de Staline, c'est tout. Voici le chef de char, le commandant du groupe, le mécanicien, le chef de l'armement, puis encore quelques gars. Celui-là, tenez, il n'en reste rien. Plus de Colomzine. Disparu Nicolas Bistrov. Les autres blessés. Puis celui-ci, tenait encore, on le comptait parmi les disparus. On n'en sait rien. Excusez-moi, je ne sais rien de plus à son propos. Je peux aussi vous montrer des photos prises à l'endroit où nous avons traversé l'Oder. Nous sommes heureux parce que nous avons libéré le sol allemand, nous avons libéré l'Europe. Vous vous rendez compte? Nous avons traversé l'Oder et libéré l'Europe. Ces 2 camarades, ces 2 jeunes ont connu un sort. Moi, un sort terrible. Ils ont brûlé vifs tous les 2. Comment vous dire, dans un certain sens, c'est gênant de se rappeler ces années. Mieux vaudrait que personne ne se les rappelle. Aujourd'hui encore, ça me rend malade. On croirait que l'âme s'est apaisée, et puis quand on y repense, ça ne s'exprime pas. Celui qui veut la guerre, qu'il y goûte lui-même, qu'il l'éprouve dans sa chair d'abord, dans sa famille, dans sa vie quotidienne. Mais nous, on n'en veut pas. Moi, sur le front, je trouvais que c'était dur de se battre avec les Allemands. Très dur. Il me semblait à l'époque que quand nous reviendrions du front, chez nous, tous ceux de l'arrière devraient alors mettre chapeau bas et s'incliner devant nous. Mais quand je suis arrivé et que j'ai vu et su dans quelles conditions vivaient et peinaient les gens de l'arrière, alors je les ai respectés davantage encore. Они перенесли больше тяжести и лишений войны, нежели мы. Ils ont pris une part de la guerre plus lourde, plus pénible que nous. Год за годом. Et voilà, peu à peu, année après année, nous avons reconstruit notre vie, notre ville. После войны мы несравненно лучше живем. Aujourd'hui, la guerre n'est plus qu'un souvenir. La vie a changé de sens. Les besoins se sont diversifiés. La culture et les loisirs ont une place de plus en plus grande dans l'existence des soviétiques.
Le palais de la culture de l'usine Rosselmach abrite 300 activités qui vont du modelage à la danse et au jeu d'échecs. C'est là que Nicolas Udovitchenko et sa femme font du théâtre amateur. Тихо тебе на плечо пролетит над землей. Прямо начинайте с того, что значит и ты мне не веришь. Просто энергичнее должна идти в действие. Где-то конфликт очень большой должен быть. Пожалуйста, вот начните еще раз. Ce dimanche-là, nous avons eu un aperçu des talents d'acteur de Nicolas. Il répétait sous la direction du metteur en scène du Grand Théâtre de la Ville. Три месяца ты работаешь, и три месяца нет плана, а все твои перестройки. Стало быть, Леонтий, и ты мне не веришь. А что я? Люди говорят. Ты понимаешь, товарищ комбат, люди говорят. Опусти низ. Un étage au-dessus, Ира prenait sa leçon de danse classique. Elle en est passionnée, mais fait cela pour son seul plaisir. Ses parents paient 3 roubles par mois pour la rémunération du professeur appointé. Les autres activités sont gratuites. Au même moment, un ensemble de danse folklorique, cosaque, répétait sur l'immense scène de théâtre. Avec ses 2 balcons et son parterre, il contient 1000 places. Son plateau tournant et ses moyens techniques ont de quoi faire pâlir d'envie bien des troupes professionnelles françaises. Подмен на зрителя прямо. Готовы? Начали. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Нет, Серёж, ты её проведи рукой. Стоишь. Пожалуйста, Света. Провожай. И рукой сразу. Ну, проводили, девочки. Полегче. И полегче. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Стоп. Остановитесь. Раз, открыться. Теперь дальше пошли. Дальше, дальше пошли. На эту сторону, отсюда. В такой позе стоим. У вас рука не в бок, правая? Вот так, да? А у вас в бок, да? Да. Ну, раскрываем. Пожалуйста, с левой ноги и на меня гляди. Начали. И раз, открыться. Ce sont des professionnels? Oh mais non, des ingénieurs, des ouvriers. De quelle usine? De la nôtre, de Rosselmach. Mais vous y travaillez aussi? Je suis ingénieur mathématicien au centre de calcul. Combien de fois répétez-vous ici? 3-4 fois par semaine. Et combien d'heures par séance? 3-4. Vous préparez un spectacle? Nous préparons le 25e anniversaire de notre ensemble et nous montons un spectacle qui récapitulera toute notre activité. И мы готовим концертную программу, юбилейную программу. Отчетный концерт. А сколько вообще? Combien de personnes sont passées par cet ensemble? Beaucoup en 25 ans, beaucoup. Certains même sont devenus professionnels. Où, par exemple? Chez Moïseïev. Dans l'ensemble d'État d'Ukraine, chez Pavel Virsky. Хорош.
Il vient combien de lecteurs dimanche? En moyenne, 70 personnes. Et combien prêtez-vous de livres par personne? Nous leur donnons 3 livres de littérature et 1 d'information. Ce sont les livres de chimie, de physique, de biologie, d'histoire, de géographie. Qu'est-ce qu'ils choisissent? De préférence les livres de sport, d'aventure. Et puis les gens aiment beaucoup la science-fiction. Les livres sur la dernière guerre. La bibliothèque du palais a 17 000 abonnés, enfants et adultes. Et ça que tu as choisi? Jules Verne, celui-là? Les trésors de la Tour Rouge. Quoi encore? Condamné à l'immortalité. À côté, la salle de lecture, fréquentée par les travailleurs de l'usine et les habitants du quartier. Que faites-vous en ce moment? Un problème de physique. Vous êtes des étudiantes? Non, nous travaillons et nous étudions en même temps. Où travaillez-vous? Moi, je travaille à l'usine Pribor comme laborantine. Actuellement, nous étudions à l'Institut et nous travaillons déjà dans notre spécialité. Vous étudiez le soir ou par correspondance? Au cours du soir et le dimanche en bibliothèque. Ce n'est pas dur de travailler et d'étudier en même temps? C'est dur, bien sûr, mais c'est intéressant. Nous avons des appareils compliqués dans notre usine. Et je considère que sans instruction, l'homme ne peut tout simplement pas vivre. Vous êtes fatigué à la fin de la journée? Non, nous ne sommes pas fatigués. Enfin, une légère fatigue. Nous sommes en bonne santé. Et ici, on passe des visites médicales régulières. On peut même nous interdire de travailler si quelque chose ne va pas. Combien gagnes-tu par mois en moyenne, avec les primes? 150 roubles, 160, 170 en moyenne. Qu'est-ce que tu fais après le travail? Ça dépend de l'équipe. Si je suis de la première, je rentre à la maison et j'aide ma femme. Elle ne travaille pas. Elle est étudiante? Oui. Où? À l'Institut de l'usine. Mais tu l'aides comment? Dans ses études? Non, non, j'en suis pas capable. Je n'ai pas une instruction suffisante. Mais je l'aide en m'occupant du bébé ou bien de la maison. Toi-même, tu vas étudier plus tard? Absolument. Ici, nous sommes à l'Institut rattaché à l'usine Rosselmach. On y donne uniquement des cours du soir.
Nina, l'épouse de Victor, suit les cours de l'Institut trois fois par semaine. En 1971, je suis venue ici à Rostov. D'où êtes-vous originaire? De la campagne. J'avais terminé l'école secondaire, mais je ne pouvais poursuivre mes études sur place. Nous étions une famille nombreuse et il me fallait gagner ma vie. Je suis venue ici où habitait ma sœur aînée. J'ai commencé à travailler, puis j'ai décidé d'étudier. Où avez-vous travaillé? À l'usine Rosselmach. J'étais à l'atelier de peinture jusqu'à ce que je sois enceinte. Là, on m'a affecté un travail plus facile. En ce moment, vous travaillez? Non, à cause du bébé. Quel âge a-t-il? 5 mois. А вам не трудно учиться, заниматься ребенком? Et mon mari m'aide bien. Il surveille l'enfant quand il est à la maison et que j'ai à faire. Vous ne m'avez pas dit pourquoi vous vouliez devenir ingénieur. Почему вы хотите стать инженером? Comment vous dire? Pour élargir mon horizon. Tenez, chez nous, à l'usine, il y a des ouvriers qui ont une instruction supérieure, en tout cas une instruction secondaire spécialisée. D'une façon générale, c'est moins le salaire qui pousse tout le monde chez nous à étudier que la nécessité d'acquérir les connaissances indispensables pour remplir une tâche. У нас же не разложен процесс производства там, как, допустим, на конвейере, в большинстве случаев. Поэтому человеку приходится много делать одновременно. Универсалом, как бы. L'homme doit savoir faire beaucoup de choses à la fois, être universel. D'où venez-vous? Moi, je suis à l'Institut des projets. Вы кем работаете? Вы, например? Ingénieur méthode. Fraiseur. А вы? Тоже самое, инженер. Moi, ingénieur méthode également. Вы все? Moi, je suis tourneur. Donc, vous deviendrez tous des ingénieurs et vous resterez obligatoirement à Rosselmach. Et vous resterez à Rosselmach, obligatoirement? Non, nous avons le choix. Vous pouvez m'expliquer le système d'enseignement? Comment vous êtes entré à l'Institut? Combien d'années d'études? Nous sommes entrés selon les normes communes à tous, comme les étudiants à plein temps. Nous avons fait des examens, также на общих основаниях. Nous avons passé des examens, et la différence, c'est que nous étudions le soir, et que notre programme s'étale sur 5 ans et 10 mois. Ce n'est pas trop difficile pour vous de travailler et d'étudier en même temps? C'est difficile, bien sûr. Et vous trouvez le temps de vous reposer? Naturellement. Il y en a même parmi nous qui ont des activités militantes de jeunesse communiste par-dessus le marché. Alors que nous, nous nous reposons les jours de congé. Давайте громче. Ну, у меня работа со спиртом связана, я поэтому сказал. Вот это. Ainsi va la vie à Rostov-sur-le-Don, une ville soviétique comme les autres. Tout le monde n'y devient pas ingénieur, tout le monde n'y fait pas du théâtre amateur. Mais la société y est ainsi faite que quiconque veut continuer d'apprendre, quiconque veut enrichir son horizon culturel, en a les moyens. Mieux,
Chacun est fortement encouragé à se perfectionner sur tous les plans. Распустится в срок, лишь только приблизятся первые грозы. Dans le monde entier, les hommes aspirent au mieux-être, au bonheur. 57 ans de socialisme modèlent déjà un nouveau type d'homme. Ignorer l'exploitation, l'insécurité, le chômage, la ségrégation scolaire donne aux soviétiques beaucoup d'assurance, une absence totale d'appréhension devant la vie. Ce peuple, qui a surmonté tant de difficultés, ne redoute pas l'avenir. Le progrès ne l'effraie pas. Au contraire, il le désire. Il en fait son pain quotidien. Священную память, храня обо всем, мы помним холмы. И проселки родные, мы трудную службу сегодня несем. Вдали от России, вдали от России, где эти туманы родной стороны, и ветви берез, что над заводью глубь. Сюда мы с тобой непременно должны однажды вернуться, однажды вернуться. Открой нам, отчизна, просторы свои, заветные чащи открой ненароком, и так же, как в детстве, меня напои березовым соком.